La vie est un voyage. Au long du voyage, nous allons rencontrer des obstacles. Nous allons devoir apprendre à vivre pleinement, les yeux ouverts, avec conscience et attention. Découvrir ce pourquoi nous sommes faits, ce qui nous met dans la joie et dans l'enthousiasme. Nous avons donc un port à atteindre, mais aussi une source à trouver pour étancher notre soif la plus profonde, celle d'une totale harmonie intérieure et d'une profonde union avec le monde. Soyons vigilants à toutes nos pensées. Elles sont aussi importantes que nos actions. Les pensées créent une énergie qui exprime une intention. Cette énergie et cette intention ne sont jamais sans effet, tant à l'intérieur de nous-mêmes que dans tout l'univers. La vie, bien souvent, nous la rejetons et nous pensons que c'est elle qui nous rejette. C'est parce que nous sommes fermés à la vie, au changement, au réel, que bien des obstacles surgissent. Ils sont là pour nous faire évoluer, pour nous faire prendre conscience que quelque chose n'est pas juste.